Il est 19h, je déclare le scrutin terminé. On va passer au dépouillement. Pour connaître les premiers résultats à Bagnères, une petite foule observe et scrute la lecture des bulletins de vote. Emmanuel Macron. Pas de surprise, le candidat d'En Marche fait ici le plein des voix, 76% des suffrages à Bagnères, au-delà de la moyenne nationale mais sans atteindre des sommets. Emmanuel Macron dispose de solides relais en Bigorre, où enfant il passait ses vacances. Le candidat était même venu durant la campagne s'accordant une halte dans un restaurant d'altitude tenu par un ami. Des proches à nouveau rassemblés pour écouter les résultats. La politique, personnellement, j'en fais pas, mais je suis content pour l'homme, parce qu'il le mérite, il s'est battu, et c'est bien qu'il y ait une jeunesse et un renouveau par rapport à tout ça. Et j'espère qu'il fera bouger les choses. Il a du travail, je pense que le gros reste à faire. Au-delà du titre, ça restera la vie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire l'intimité, j'espère. L'intimité et l'homme que l'on a connu, et je pense qu'il restera. Je le crois vraiment. Pas de joie débordante ni de liesse, un peu de champagne quand même à la mairie de Bagnères, avec déjà en ligne de mire le prochain objectif, les législatives. Je pense que c'est important qu'il y ait une majorité, mais une majorité de gens d'En Marche, et qui sont fiers, fidèles à ses idées et qui sont prêts à s'engager à ses côtés. Moi, en tant que maire de Bagnères, je suis prêt à m'engager à ses côtés, comme je lui ai déjà dit plusieurs fois. Le maire de Bagnères se place pour porter les couleurs d'En Marche dans la première circonscription des Hautes-Pyrénées, tenu par une figure du PS, Jean Glavany.